Oh là là, c'est beau. C'est beau, mesdames et messieurs. Mais je pense que c'est viable aussi. Du coup, c'était quoi? C'est les squelettes. Ok, la armée de squelettes à la place de squelettes. Ok, pourquoi pas. En vrai, je pense que la variante marche bien. 11-0. Pouce bleu, les gars. Pouce bleu pour un épisode 2. Hein. Vous me faites 3000 pouces bleus en 24 heures. Et je vous fais un autre épisode. Et yo tout le monde, c'est Lemotion, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour finir ce super défi. J'étais tombé dessus, je l'avais oublié. Et je me suis dit, bah pourquoi pas le terminer en vidéo, surtout qu'on a fait un super début. C'était 6-0 je crois, avec quel deck? Avec, attendez que je me souvienne. C'était avec quel deck? C'était avec un deck PK Bridge Spam. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous laisse aller checker sur la chaîne ou dans la description. C'était un petit deck PK plutôt sympathique. On avait eu que des bons match-ups. Aujourd'hui, on se retrouve avec quoi? Avec un deck Forest Goblin, toujours. Un deck assez cycle. Vous voyez, tout simplement, sans mineur. En fait, c'est un petit peu un mineur cycle, mais avec la Forest Goblin à la place du mineur, tout simplement. C'est un deck qui a été énormément joué dès le début, dès l'apparition de cette nouvelle carte. Et j'ai pas encore eu l'occasion de le tester, donc je vous dis, ça peut être une belle occasion. Encore merci à vous de votre soutien, les gars. Ça y est, 45 nuits sur la chaîne, ça fait plaisir. Road to 50k, on est parti à fond. Et on est contre Ravi, Ravi 9. Ah, c'est pas Ravi 14, c'est Ravi 9. On a un deck qui est très bas en élixir, je crois. On est à 2.8 hein, en moyenne. C'est un deck tryhard, hein, je précise. C'est pour ça que je me permets de le jouer en super défi. Mais après, est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas. On va bien voir. En tout cas, pour l'instant, on va faire ça. On va faire, regarde. Petite foreuse, sapeur, ça c'est un très très bon combo. Surtout pas hésiter. Voilà, comme ça, ça change le focus et c'est parfait. Il faut surtout pas hésiter, en fait. Je pense, hein, le placement optimal, c'est un sapeur qui tank et après le changement d'aggro qui se fait. Ça fait que ça permet, si jamais il met un petit sort, par exemple une bûche ou un zap, et ben il y a que un sapeur qui meurt et après ça change sur le focus, change sur la foreuse. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Bon là, c'était pas un sort, c'était un esprit de feu, mais vous avez compris le principe. Le problème, c'est que je vais pas avoir une bonne contre-attaque. Sauf si, si je fais ça, peut-être. Ok, on va changer de sens ce coup-ci. On va peut-être essayer de le brain un petit peu. Voilà. Garder un petit peu ça en vie. Ok, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Le bomber qui va rester en vie, du coup. On va en envoyer un autre de l'autre côté. Lewis qui fait un bon travail de défense. Attention, est-ce qu'on peut peut-être faire quelque chose? Un coup. Ah, le problème, c'est qu'on n'a pas de bûche pour aller terminer tout ça. Il va falloir qu'on soit vigilant là-dessus. On va peut-être être... Ah, oh, il y a un esprit de feu qui part là. Ok, c'est bon. Parfait. On va prendre 0 coup. Et on est reparti direct. Avant qu'il pose la fournaise, on rappelle. On veut qu'il pose le bâtiment le plus tard possible. Parce que si on laisse s'installer, ça peut être compliqué. Ok, belle boule de feu de sa part. Mais c'est pas suffisant. Parce que du coup, ça reste un 4 pour 2. Au niveau de l'échange d'élixir. Et en plus, il doit rajouter Dark Prince pour la foreuse. Donc au final, on a gagné 2 d'élixir dans l'échange. Plus des petits dégâts sur la tour. Donc ça fait plutôt plaisir. Surtout que là, s'il nous met une fournaise, on attend que ça pour mettre la boule de feu. Allez. Oh, bon, on va quand même la mettre au final. Hein. Hop. Oh, l'esprit de feu qui va sauter. Oh, l'esprit de feu, let's go. Nice, 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 nice. Pour l'instant, on gratte. Vous voyez, c'est vraiment un deck full grattage. On essaye de mettre la pression, pas trop non plus. Et de toute façon, avec la Tesla, on devrait pouvoir défendre assez facilement. Voilà. Tac, tranquillement. Une petite boule de feu si nécessaire. Et il n'y a plus rien. Voilà. Tout simplement, le nettoyage a été fait. Et eh bien, let's go. Le zap. Hop. On continue de mettre la pression. La boule de feu. La boule de feu. La boule de feu qui a été ratée. Il a voulu toucher l'esprit de feu. Et du coup, ça a été raté. Aïe, aïe, aïe. On commence à avoir des petites gouttes de sueur en face, j'ai l'impression. Hop, on continue de mettre la pression. Oh, on va prendre 0 coup. Oh là 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 là, c'est parfait. On va mettre ça devant, je pense. Et ça devrait être le GG, honnêtement. Il a plus Dark Prince. On va pré-shot Lewis. Voilà, hop. Et ça devrait être le GG. Allez. Oh, dommage, ça finit pas. RIP. RIP, ma petite compote. Bien joué à toi.
Hop là, parfaitement défendu sur la tour de droite, une game maîtrisée de A à Z, c'est vraiment un deck tout en contrôle. C'est assez dur à maîtriser si vous n'avez pas l'habitude de ce genre de deck. On va dire que si vous jouez Molos ou Golem d'habitude, ça va vous faire bizarre de jouer un deck où il va falloir réfléchir. Hein. No offense, mais moi pour l'instant j'aime beaucoup. Ce genre de petit deck contrôle où vous grattez, vous gardez le contrôle sur toute la game, il faut surtout pas... donner un avantage à votre adversaire parce que c'est très très dur de le remonter si vous faites des erreurs. Encore un Dark Prince. Oh mais regardez, ça connecte. Ça connecte le double sap. Oh là là, le deck est incroyable. Regardez les dégâts qu'on rentre. Oula, non ça c'était pas prévu. C'était pas trop prévu ça. Surtout que j'ai regardé dans les pires match-up et bah ça en faisait partie. Et ouais my brothers. Il va péter un câble. C'est tout ce qu'il mérite. C'est tout ce qu'il mérite pour jouer cette carte maudite, moi je vous le dis. Hein. Moi je vous le dis. Oh bah voilà déjà, ça commence bien. Oh le bâtard. Pardon. Oh le bon joueur. Ok le squelette. Ok les squelettes qui vont... En vrai c'était pas mal. On a bien défendu, on s'en est vraiment bien sorti. Je pense que c'est clairement faisable. Ok. Ah oui c'est la version Dragon l'Enfer. Ah, j'ai regardé, dans les matchups ça fait partie des pires. Hein. Très clairement. Qu'est-ce qu'il veut? C'est quoi son problème, sérieux? T'as un petit problème avec mon deck, my brothers? Ah, je suis obligé de rajouter les squelettes, sinon je vais prendre trop de dégâts. C'est pas grave, on va... Regardez les gobelins, ça gratte, ça gratte, ça gratte! J'étais à deux doigts de boule de feu, mais en vrai, c'est peut-être un petit peu too much. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une première Tesla assez haute. Hop, voilà, on attend que les sapeurs, enfin que le bomber connecte, pardon. Ah ouais, ça s'est bien joué de sa part. On va devoir boule de feu tout ça. Et regardez, c'est pas fini, frérot. C'est pas fini du tout, j'ai pas dit mon dernier mot, moi. Aïe. Oh, c'était chaud. Non, non, non. Ok, le splash, attention. Ok, pour l'instant, ça tient. Mais on sent que l'élixir x2 est quand même beaucoup, beaucoup plus difficile. Bah alors? Bah alors, frérot? Bah alors, ma petite compote? On est pas serein, là? Moi, je dis, il est pas serein. Ok, on pète le shield. Ah, faut que je garde pour... Ah ouais, ça va être chaud, là. Ça va être très, très chaud. Ok, parfait. On a snipé ça. Ah, le bâtard, il a réussi à la choper. Ok, parfait. Ok, il stresse là. Là, il commence à stresser. Vous sentez cette odeur du stress? Il commence à stresser l'adversaire. Il commence à stresser. Oula, non, c'est moi qui commence à stresser en fait là. Je vais jamais pouvoir finir sa tour, ça va être un calvaire. Il faut absolument que j'arrive à gérer ça. Voilà, comme ça on peut protéger tranquillement. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Hein. Parfait. Ah merde, ça c'était le bomber. C'était pas un esprit de feu normalement. Effectivement. Ok, parfait. Encore une fois, parfaitement défendu. Le problème c'est qu'il a une cage goblin. Donc je peux même pas passer en force avec mes sapeurs. Peut-être maintenant. Ok, y'a plus de cage. Y'a plus de cage. Y'a plus de cage, my brother. Ça va tout droit. Goal, 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 goal. Les sapeurs qui vont connecter. Bah alors, frérot. On a eu le choix. J'avoue, on avait pris une superbe avance, mais en fait, c'est que c'était impossible. À partir du moment où lui, il partait tout le temps au fond du terrain, on avait la mamie, le Dark Prince surtout, qui est très très embêtant pour notre deck. Par contre, j'ai commencé à 6 victoires, on va peut-être pas aller jusqu'à 12. Hein. On va peut-être pas aller jusqu'au bout, là, les refs. Hein. C'est pas ce qui était prévu. Hein. Et on est reparti pour un tour. On attend bien, voilà. Peut-être un petit peu tard. Ouais, un poil tard... Oh dommage. Oh mais ça connecte. Mais attendez, mais c'est pas possible. Non 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 non, il y a un problème. Non non non, là c'est cheaté là. What? Qu'est-ce qu'il fout? Let's go my brothers. Ça va. G10 dans la pocket. Vas-y, ramène des golems, ramène tous tes potes. Électro-géant, golem, ramène qui tu veux, je m'en fous. J'en ai rien à foutre.
Moi je te le dis cash. Oh là, mais comment? Attendez, non, c'est Golem Clone. Oula. Comment mes sapeurs ont connecté alors qu'il y avait Bats, Bûcheron et Armée de Squelette, genre, comment? Comment ils ont... Mais quoi? Mais attendez, mais mes sapeurs, ils sont dopés, c'est pas possible. Je vous jure que mes sapes, ils sont dopés. Ah, par contre, on a rien pour les chauves-souris, ça va être relou, ça. Mais du coup, comment il va réagir? Ah non, c'est du molos. C'est du molos. Ok, c'est parti, on prend la petite tour. On va pas à boule de feu maintenant, on attend qu'il rajoute autre chose. On s'en fout de façon de toucher la tour. Donc ça sert à rien de boule de feu maintenant, on va pas chercher 3 couronnes, je ne pense pas. Ce qu'il faut vraiment, c'est éviter de se faire 3 couronnes plus. Donc on va se concentrer sur la défense, regardez. On va mettre un petit bomber comme ceci. Et voir même si on peut se le permettre. Oh là 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 là, c'est la masterclass là. Là, je vous le dis. C'est la masse, et voilà pourquoi on regarde la boule de feu tout simplement les gars. Non mais il faut écouter mes conseils au bout d'un moment. Oh là 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 là, bah oui, mais vas-y, vite Armée de Squelette si tu veux, j'ai une Valkyrie frérot. Vas-y, fais-toi plaisir. Mais le deck est incroyable hein. On a pas mal de réussite en plus, ça fait plaisir. Est-ce qu'il va Rachit ou pas? Ou est-ce qu'il va la jouer jusqu'au bout? Ah, il va la jouer jusqu'au bout. Ah, il est courageux hein, parce que là pas de quartier hein. Oula, peut-être quand même un petit peu de quartier. Non, allez, pas de quartier. On spam. Encore. Oh là 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 là. Oh, le carnage. Let's go. 3 couronnes à Molos Clone avec un deck. Avec un deck à 2.8 d'élixir. Regardez, hein. 2.8, hein. 9-0. Oh, on va au moins jusqu'à... Allez, oh, on va voir. Hein. Si on a des games encore rapides, on peut peut-être aller jusqu'à 12. Je veux pas que la vidéo dure 3 ans non plus. Bah après, si on a que des games comme ça, pour l'instant, ça se passe vraiment bien. Hein. Jolo. Ok, Jolo. Mon petit jeu. Mais en plus, on a toutes les mains... Oh, à chaque fois, on a la bonne main de départ. Regarde, mais c'est exceptionnel. On a la bonne main de départ à chaque fois. Ah, ce coup-ci, un petit peu trop tôt. Vous voyez? Hop. Mes sapeurs qui vont tanker un petit peu trop tôt. On va quand même connecter sur la Tesla. Oh, Arkix. Arkix, je sais pas du tout comment je vais m'en sortir. On va bien voir. Parce que j'ai pas de gros tank. Donc ça peut être compliqué. Enfin, j'ai la Valkyrie, mais c'est pas un gros tank, quoi. C'est pas un géant ou... Ah! Ah non, ça n'a rien à voir avec un Arkix, en fait. Ok, ok, très bien. Je vois. Alors, ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va faire ça, regardez, hein. Ça, c'est encore une strat. Hop, next level. Le sap. Regardez le sap, hein. Oh, oh non. Ah non, je me suis enflammé pour rien, là. Je me suis dit, il allait encore faire l'échappée du siècle et pas du tout. Eh bien, je suis grave déçu. Merde. Je voulais activer la tour du roi. Je voulais juste activer la tour du roi, ça a failli tourner à la catastrophe. Ok, ça va. On a connecté, par contre, le sapeur à gauche. Je sais pas si vous avez suivi, mais ça, ça fait plaisir. Ok. Alors, on va recycler sur nos squelettes, voilà, pour économiser notre Valkyrie. Tout simplement au maximum. Le problème, c'est que je pense pas que ce soit suffisant. Ah, il faut que je rajoute un esprit de feu. Ça, ça fait chier, ça, par contre. Après, on peut repartir sur le côté. Dans tous les cas, il pourra pas bûcher instantanément. Je pense qu'il va devoir Arty d'abord. Voilà. Arty plus bûche. En plus, c'est le côté, nous, il nous a pas gratté. C'est parfait, hein. C'est vraiment ce qu'on veut, on peut se permettre de faire ça. On prépare la Tesla, le placement anti-séisme. Voilà, séisme, on est à l'abri. C'est une case juste en dessous. Il faut faire attention à ne pas se faire pré-shot non plus. Mais c'est le placement qui permet d'empêcher de toucher le séisme et la Tesla. Donc c'est vraiment un bon placement pour le coup. Hop. Et on est parti, on met la pression. La pression à fond. Toi tu dégages. Je veux plus te voir. Ok, la bûche, oh là là, on est bien. Là, on bloque pour que le cochon passe devant. Hop, petite astuce aussi, quand vous savez qu'il va cochon derrière, vous bloquez tout simplement le chevalier au pont, comme ça c'est le... Oh là 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 là, mais la masterclass que je vous propose aujourd'hui. Comme ça, c'est le cochon qui prend l'aggro et non pas le chevalier, parce que ça peut être compliqué à défendre sinon. Ouais. Ouf. Oh, elle était limite celle-là. Elle était très très limite cette Tesla. Et il faut faire attention parce qu'il peut nous remonter assez facilement.
L'arty. Non, je l'ai raté. C'est bon. C'est bon, c'est sécurisé. Et on repart, on remet la pression. Hop. On va attendre qu'il mette un séisme et on va le mettre sur le côté. Voilà. Voilà, on esquive. Les petites esquives, hop. D'ailleurs, ça, ça défend. Pour l'instant, on est vraiment bien. Parfait. Attention au séisme, encore une fois. Il a pas assez, de toute façon. Ouais, il a pas assez. Hein. On va mettre une... On peut se permettre, là. On est dans le x2. On est bien installé dans le x2. On sait qu'il a pas le cochon en rotation. On peut se permettre de boule de feu, chevalier. En temps normal, sinon, je l'aurais pas fait. Mais là... Là, on pouvait se permettre. Hop, on veut vite recycler sur notre Tesla. Très important. Ah non, mais il a vraiment un problème avec ses séismes. C'est très très grave. Hein. Oula, moi aussi j'ai un petit problème là. Ok, et là, va falloir accélérer. Là, va falloir accélérer. Pleine balle. Ok. Encore une boule de feu sur le chevalier pour aller le terminer. Le collier aussi. Les sapeurs peut-être. Ah, ça va pas connecter malheureusement. C'est pas facile. Hop, on bloque au pont. 28 secondes. On renvoie ça. On remet la pression. De toute façon, c'est un jeu de pression là. Très clairement. Ah, c'est génial. Je vois pas comment il peut en monter, on a trop d'avance. Hein. On a beaucoup trop d'avance malheureusement pour lui. Et on va encore une fois aller chercher une victoire. C'était une longue game quand même. Longue game, on va aller chercher tiebreaker. C'est pour ça que j'ai pas pris tant de risques que ça. J'ai essayé de garder la pression en fait. Je voulais la jouer détente mais pas trop non plus. Puisque bah, je savais que j'avais quand même beaucoup beaucoup de dégâts d'avance. Il a fait des très mauvais séismes en début de partie. Et ça me faisait limite meurtre parce que je savais pas comment défendre. Où est-ce qu'il a. Il était vraiment imprévisible. Hein. Notre adversaire, et vous voyez, cochon séisme, lava clone, électro géant. Est-ce que on peut trouver un counter? Enfin, essayer de m'arrêter un petit peu là. 10-0. Oh, si on fait un 12-0, ce serait magnifique. Si on fait un 12-0, ce serait magnifique. Hein. On va bien voir. Encore une fois, la bonne main de départ, mais je vous aime. Je vous aime, les amis. Ok. Oh! Oh, match-up miroir! Un match-up miroir! Bah, c'est toujours pas un counter. Bah, je vais gagner. Je suis trop fort au jeu, donc je vais juste gagner en fait. Là, regardez, il va mettre quoi? Il va mettre des sapeurs derrière, vous allez voir. Hop! Ah! Eh bien, j'ai raté. Les sapeurs maintenant? Non, toujours. Les sapeurs, non, c'est pas dans ce programme. Ok. Eh bien, écoutez, pour l'instant, 2513 à 2513, c'est extrêmement serré de la part des deux joueurs. On rappelle qu'il n'y a pas de bûche. Donc, on peut mettre max de pression! Dans le... Pourquoi il y a une armée de kikouts? Ça va connecter... Mais attendez, mais ça va connecter, regardez! Oh là 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 là. Mais qui peut me stopper? Ah, il a quand même... Ah, bah la Valkyrie était nulle à chier, hein, très clairement. Je pensais... En fait, je voulais garder ma Tesla en vie et je pensais que les sapeurs allaient mourir avant de connecter. Et pas du tout en fait. La Valkyrie met trop de temps à taper. Bon écoutez, c'est pas grave. On lui a mis un petit midlife. Dans tous les cas, on a de quoi défendre. Hop, voilà. Voilà, c'est parfait. On limite la casse honnêtement. Et derrière, ça nous permet de mettre full pression. Si jamais il met la Tesla, il pourra pas défendre correctement. Voilà, la foreuse. Là, je pense pas qu'il est assez pour... Ah, quoi que. Oh, ça court, ça court, ça court. Encore, encore. Oh là 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 là. Ça connecte. Et l'armée squelette, elle est passée où? Elle est passée où, l'armée squelette? Mais what? Mais what? Mais ça fait pas ça normalement des sapeurs. Y'a un problème là. Ah mais... On est à 10-0 en super défi, qu'est-ce qui se passe? Mais attendez, ils ont changé les super défis, c'est pas possible. Ils ont inversé les super défis et les défis classiques, c'est impossible. Mais what? Okay. Ah, il veut pas abandonner. Mais attendez, mais il abandonne ou il abandonne pas? Il est sérieux à faire semblant là? Oh non, mais c'est un enfant. Mais écoutez, hein. Il veut jouer. Voilà, il veut faire l'enfant. Bah, on va faire l'enfant aussi. Hein. On va jouer full def. Hein. Hop, toi tu viens par là.
Ah bah écoutez, hein, on va le faire souffrir jusqu'au bout. Et du coup, on va se terminer. Allez, on va aller jusqu'au bout du défi. On va faire 12. Là, je vous avoue, si je fais 11-0 into 11-3, je désinstalle le jeu. Hein. J'arrête YouTube. Vous me voyez plus sur CA. Oh là 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 là, le 3 coucou défa max. Je pense que cette version est meilleure. Hein. L'armée de squelette, elle est bien, mais... Il y a beaucoup d'unités qui tapent en zone. C'est plus si efficace que ça contre les tanks, bah notamment les géants élec et tout. Oh là là, c'est beau. C'est beau, mesdames et messieurs. Mais je pense que c'est viable aussi. Du coup, c'était quoi? C'est les squelettes. Ok, il a une armée de squelettes à la place de squelettes. Ok, pourquoi pas. En vrai, je pense que la variante marche bien. 11-0. Pouce bleu, les gars. Pouce bleu pour un épisode 2. Hein. Vous me faites... 3000 pouces bleus en 24 heures et je vous fais un autre épisode. Après, le problème, c'est que... c'est quoi l'étape d'après après un 12-0 au super défi? C'est un top à monde. C'est parce qu'il n'y a pas de plus... Il n'y a pas mieux au défi. Il n'y a pas de défi 20 victoires en ce moment. Donc, je ne sais pas. Je vous avoue que je ne sais pas. Oh, PK spam. Attends. Oh, on est quand même à 11-0. On va peut-être se concentrer un petit peu. La mettre en veilleuse. Et on va bien voir ce que ça va donner. Ok. Je voulais pas mettre la Valkyrie parce que sinon ça aurait pu donner une bonne ligne de mire pour l'archer magique. Ok. Ok. Tranquille. Tout doux. Tout doux le loup. L'archer magique, tranquille, qui va sûrement changer l'aggro. Pas de soucis. On attend vraiment la bonne opportunité pour attaquer. Maintenant. Now. Oh, regardez-moi ces placements. Ok, j'ai raté. J'ai raté. C'est bon, ça arrive à tout le monde de rater. Les petits squelettes dans le vide, ça fait plaisir. On prend quand même 500 dégâts sur cet archer magique. Et il va falloir assumer la défense. Et ça, c'est... Oula, j'ai peut-être fait un petit peu le malin. Oh, le bâtard. Ouh, c'est chaud. La voleuse, elle est... La voleuse. Elle veut... Non, la voleuse, elle veut pas aller sur... Ok, bah très bien. Hein. La voleuse, ça n'intéressait pas la foreuse. Ok, là, on a peut-être une belle contre-attaque, du coup. Il a plus le fantôme, c'est le moment. C'est mon moment. Allez, frérot. Non. T'as pas les sapeurs, t'as pas les sapeurs. Oui, 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 barrez-vous. Allez, 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 allez. Oui, 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 oui. Encore, change de côté, change de côté. Voilà. Let's go, les gars. On est là, on est là. Wow, c'est chaud. C'est chaud de ouf. Je pense qu'on va... On va le laisser connecter. On va peut-être mettre des squelettes quand même pour éviter de prendre trop de dégâts bêtement. Et on repart. Oh, ça, on repart pas. Ok, si on repart, on met la pression. C'est mince. On peut pas. De toute façon, on est obligé de mettre la pression. Non, le train glitch. Pas après tout ça. Pas maintenant. Non, non, non. Attendez, mais je rêve ou c'est en train de... Ils sont en train de 1v1 le PK. La dinguerie. La dinguerie de fou. Le PK est en train de se faire 1v1. C'est quoi cette arnaque? Et du coup, on peut remettre une foreuse, hein. Du coup. Ok, ça, je prends. Oh là 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 là, on est en train de le faire. Le 12-0 qui est en train d'arriver. Le 12-0, peut-être. Non, la foreuse est toujours aussi cheat, en vrai. Heureusement qu'elle est un peu moins cheat, mais elle est toujours très très forte. Hein. Pour ceux qui avaient un doute, je pense que cette vidéo répondra à vos... Ah bah, à vos doutes, tout simplement. Il n'a pas encore la boule de feu. Hein. Ok, ça passe peut-être. Ça passe en force. Ok, ça défend. Parfait. Parfait. Mais c'est tellement agréable, ces défenses. Il y a tout qui s'agglisse tout seul, genre. Je ne joue pas, c'est le deck qui joue tout seul. Il va être obligé de boule de feu les saps, sinon ça connecte. Ça connecte, ça connecte. Ouh. Ouais, pas mal le PK. Mais est-ce que ça va être suffisant? Je ne crois pas. Attention au choke, hein. Oh là 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 là. Oh là 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 là, mais quel est ce deck? Mais quel est ce deck? Mais arrêtez! Mais c'est trop facile! Oh là 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 là, mais je le fais rage quit! Je suis à 11-0, je le fais rage quit! Mais je vais juste jouer ce deck tout le temps en fait! 12-0, c'est pour l'instant le meilleur deck que j'ai joué de cette saison, de loin. On a eu des très bons decks, hein, mais là les gars, c'était pas du tout prévu. On fait les 12 victoires, 12-0 en super défi. Là,
c'est du régal. Bon écoutez, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. On va quand même s'ouvrir le petit coffre tous ensemble, même si on est déjà full MS. Quoi? What? What? Attendez, on peut avoir une légendaire en début de coffre? Ah, c'est un token. Ok. Ok. Le faux espoir. Oh là 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 là, le faux espoir, les amis. On va s'ouvrir le petit 12-0. Ça fait extrêmement plaisir. Je compte sur vous, les gars, pour bombarder les abonnements pour aller jusqu'aux 50 000. Et à 50 000, les gars. À 50 000, on va attaquer les choses sérieuses. Moi, je vous le dis, les gars, 50 000 abonnés, on va attaquer les choses sérieuses. Donc, abonnez-vous en masse, partagez au max la vidéo, la chaîne YouTube, bombardez les pouces bleus et nous, on se dit à une prochaine pour une prochaine vidéo ou un prochain stream. C'était Lemoti, prenez soin de vous. Ciao, ciao!